continue. Magnifique, Elisa. Enrico Macias et Zoé Dio Secaldi, que vous pouvez continuer à poser votre question, s'il vous plaît. Chantal Latsou, Amanda Lee, Laura Quater, et puis la jeune génération, Charlie, Raïm Boulel, Stéphane Devalle, Luna Espinosa. Et si vous avez encore un peu d'énergie, merci d'accueillir parmi ce doigt bien à l'heure. Je vais laisser la parole en premier, Madame la productrice. Laurie, bon, le temps que cette merveilleuse équipe monte sur scène. Et prenez votre temps, surtout. Vous pouvez les applaudir, hein, ça prend des temps. Au Grand Rex. Presque tous ceux qui ont fait ce deuxième volet sont présents ce soir. Et avec elles, on voudrait leur dire un profond merci. Tout d'abord, Claude Zidi Junior, qui a su diriger cette grande colonie de vacances avec une décontraction pourtant très maîtrisée. Merci Claude et merci à Laurence de m'avoir soufflé ton nom. On voudrait remercier notre coproducteur, The Man, Stan Orica. Bonjour à Martine. Il a été là pour la première seconde. Et merci à toi, Ram, pour l'implication, la créativité, qui m'a emmené le film toujours plus. Merci à mon ami Elodie M, qui a su trouver avec elle une nouvelle manière de sublimer nos anciens. Et avec toujours autant d'émotion et beaucoup de rire. Merci Mayo. Et merci à Catherine Diamant qui doit être dans la salle pour avoir fourni les bases de cette histoire. Enfin, je remercie le partenaire. C'est vrai qu'elle, je vais assez vite. C'est qu'elle me dit que je. Ouais, top. On va commencer par Apollo, François, Julien et Bertrand et toutes leurs équipes. On aimerait leur dire un immense merci d'avoir pris le grand saut avec nous et nous avoir accompagnés jusqu'à la sortie avec cette tournée digne des Rolling Stones. Et c'est une belle histoire qui démarre. Merci à Nathalie Toulzamada qui est dans la salle pour sa confiance, à toutes les équipes de TF1 Film Production qui poursuivent cette belle histoire de notre retraite avec nous. Merci à OCS, merci à Amazon Prime pour cette première collaboration. Et merci à Richard Sortiche dans la salle aussi qui nous épaule. Merci, merci beaucoup pour la bonne heure. Merci, à nos équipes chez My Family, Julia, Léa, Maud, Olivier, Sonia, je pense qu'on a 7, je pense qu'ils sont 5, je peux vous assurer qu'ils sont pas de montagne, je vais vraiment leur dire merci. Ouais, je suis perdue. Ok. À My Family, on était à My Family. Ok, super. My Family. Du coup, c'est l'émotion. Je voudrais remercier Nathalie Cohen-Smadja, voilà, d'être l'étoile qui nous protège. Merci à toutes les équipes du film, Kader, Gab, Thierry, Salomé, Sophie, Yasmina, Fanny, Jessica, Raphaël, tous les autres. On en oublie, ça a été un rêve de travailler avec vous. Merci pour cette sublime musique à Julien Cohen et Claude Morgan. Merci Carlito, merci Manu d'avoir accompagné cette tournée avec vos bonnes vibes. Merci à Julien Tournier pour cette promo folle. Merci à Alexandra Chamis pour son soutien depuis des années. Et là, on va commencer un peu par l'émotion. Comment vous dire le bonheur de produire ce film au casting 5 étoiles, au-delà de l'honneur, c'est une grande leçon de vie. Alors avec elle, on voudrait les remercier tous un par un et leur dire comment on les aime et comment on aimerait le plus longtemps possible continuer de travailler avec eux. On vous aime fort, voilà, faut les applaudir. Côté Jaïd,
Jari, Brahim, Luna, Stéphane, merci. Merci pour tous ces fous rires. Sophie vous défend le vivre ensemble intergénérationnel. C'est un sujet important dont on voulait parler. Alors vous allez découvrir dans ce film de jeunes acteurs, des enfants, qui sont montés avec voilà, nos seigneurs. Je voudrais les féliciter avec une émotion toute particulière. Et j'en profite pour dédier le film à tous les seigneurs qui sont dans nos vies, dire à tous les enfants dans cette salle de ne pas les mettre de côté et de leur rappeler comme vous les aimez. Et donc moi, aux vieux et aux moins vieux qui partent à la vie, il y a celui qui l'a rempli joli, je voudrais leur dire merci, que je vous aime fort. Et voilà, et enfin, je voudrais m'adresser à mon associé, Kev, ce warrior, voilà, qui revient... à lui dire toute l'admiration que j'ai pour lui. Merci, bravo à toi, qui hier encore avait 20 ans toi aussi. Je vais laisser la parole à qui dans un instant. Je pense qu'on peut aussi demander, faire passer le micro et demander un peu à notre casting de dire un petit mot. Ça peut être sympa que chacun dise un petit mot. La joie d'être là. Je veux dire, cette présentation n'a pour l'instant duré que 45 minutes. Je pense qu'on peut se permettre un petit mot de chacun si ça ne vous dérange pas. On va commencer par celui qui nous a tous dirigé, Claude Zidi Junior. S'il vous plaît, du bruit pour Claude. D'amis, j'ai mon père qui est là, donc c'est très émouvant pour moi. En tout cas, merci beaucoup, vive le cinéma, et merci de votre curiosité, et moi ça a été un bonheur de faire cette tournée. J'ai vu de mes yeux 60 000 personnes voir le film, et maintenant c'était incroyable de rencontrer ces gens-là, de voir qu'ils prenaient leur temps pour venir voir le film. Et merci beaucoup, et je vous souhaite une très 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 bonne séance. À lui donner Elodie, qui a coécrit le film. On peut faire du bruit pour Elodie, s'il vous plaît. Est-ce que je peux merci. Bien, merci Elisa, Kev et Claude de m'avoir fait confiance. Ça a été une aventure folle d'écrire ce film avec Kev. Et l'aventure s'est démultipliée sur le tournage. Je vous souhaite à tous de tourner un jour avec tous ces acteurs merveilleux, une équipe technique et artistique démente et une production à la bijoux. Donc merci beaucoup et j'embrasse mon fils, sinon je me fais engueuler. Merci beaucoup. Merci. Enrico, j'embrasse également Jonathan Zakaï, ton mari, dont je suis un immense fan. Enrico, vous faire du bruit pour Enrico, s'il vous plaît. On peut presque faire un petit hommage et faire un refrain tous ensemble, Enrico. Oh. Extraordinaire lors du tournage et que j'ai fait un rêve, c'est que le jour où je prendrai ma retraite, j'irai dans une maison de retraite numéro 3. Merci beaucoup. Alors ensuite, je vois pas bien. Liliane, Adèle, Liliane, Robert, Chantal. Tu veux dire un petit mot, Liliane? Chantal, Liliane. Chantal, tiens un petit mot, s'il te plaît, Chantal. Moi je peux Chantal. Tu bruit pour Chantal là-dessus, s'il vous plaît. Chantal qui voulait absolument faire partie de l'aventure. J'étais ravie de tourner dans ce film car je suis la plus jeune. Pour une fois que ça m'arrive, j'en profite. Voilà. Mais c'était une bande d'ados, on a beaucoup rigolé. Voilà. J'ai passé le micro à Amanda. Bon, Amanda, j'arrive. J'arrive. Qui veut y aller? Moi je vais vous dire un petit mot. Regardez, hop! Comment ça va les gens? Tu sais qu'on a envie de faire... Non,
Je sais que vous posez une question, vous dites tous, mais pourquoi Jared n'est pas sur l'affiche? Et en fait, je suis sur l'affiche. Il faut savoir que je suis juste derrière Enrico Macias, c'est pour ça qu'il fait cette tête. J'ai une température de Kevin Adams. Et Amanda découvre ce qu'est un homme. Voilà. On s'est éclaté sur ce film et franchement, quel bonheur de faire partie de cette famille. Et je crois que ça va nous faire du bien, surtout en ce moment, parce que c'est un film qui réunit les gens, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur couleur, leur âge. Et plus que jamais, on a la réponse pour s'aimer, c'est de faire la paix et de s'amuser ensemble. Merci. Michel Jonas, messieurs dames, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu comme un espèce de petit miracle pour ce film, parce qu'il y a eu un lien subtil mais très important qui s'est tissé entre nous. Et on a vraiment créé, moi j'ai ressenti ça, une vraie famille, et que c'était une grande joie de tourner ça. Parce qu'on était très très reliés et on s'est amusé. Le mot jouer prenait vraiment tout son sens. Là. On s'est vraiment amusé et je vous remercie pour cette expérience. J'ai appris à ce film. Firmin, tu veux dire un petit mot, Firmin qui est de retour. Firmin, oui. Tu veux dire un petit mot? Ah bah quand même. Ah bah oui. Vous pouvez applaudir Firmin Richard, s'il vous plaît. Et alors, j'étais ravie de revenir, de me retrouver dans cette maison de votre film 2. J'avais pris du plaisir, effectivement, dans le premier. On avait pris du plaisir. Nous avons été arrêtés par le Covid, dans le premier. Et j'étais ravie de nous retrouver, n'est-ce pas? Je suis ravie de nous retrouver après le Covid. Et après, quand j'ai su qu'il y avait un 2, je savais qu'il y aurait d'autres comédiens que je ne connaissais pas, avec qui je n'avais pas travaillé, j'étais encore plus contente. Jamais je n'aurais imaginé travailler avec Enrico Macias, avec Jean Reno. Je peux vous dire que nous étions effectivement dans un centre de loisirs pour personnes âgées. Nous étions bien ensemble. Nous avons passé du temps à se congratuler, à s'aimer vraiment. Et si je dois rentrer dans toutes les zones volcaniques, je souhaiterais que ce soit une comme celle-là. Voilà. Il y a un petit mot. Un petit mot. Et puis après, on va découvrir ce film. Alors, Liliane, elle est contente. Ah. Elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Magnifique. Et juste avant de clôturer tous ces remerciements, on va évidemment donner la parole à notre patron à tous. Monsieur Daniel Prévost, s'il vous plaît. Je m'attendais à ce triomphe. Et simplement, je regrette que vous ne me fassiez pas des photos tout de suite. Si vous pouvez me faire des photos maintenant, pour me montrer à quel point vous m'aimez. Merci pour tout. Encore. Daniel. Vous allez faire quelque chose, sinon. Moi, je veux bien. Tu veux dire un truc? Tu veux dire un petit mot sympa? Oui. Sur toi, tu disais tout le temps, j'en ai plein le cul. Voilà, les amis, vous aurez compris ce qu'on a eu sur ce tournage, qui est assez extraordinaire. Moi, j'aimerais vraiment tous vous remercier. Lisa a déjà remercié l'intégralité des gens, et même plus, hein, sympa que je connais même pas, c'est assez incroyable comme remerciement. Mais j'aimerais juste vous remercier, vous, ce soir, dans la salle qui est là, peu importe si vous avez été invité, si vous avez été payé. Personne n'a été payé. Si vous avez payé, pardon. Non, franchement, c'est important pour moi de le faire. C'est tellement plus facile dans la vie de ne pas venir, c'est tellement plus facile de dire non, que je suis toujours très touché et bouleversé des gens qui prennent du temps, qui s'organisent pour venir assister à une projection, même si vous êtes des amis, même si vous êtes de la famille, même si vous êtes des gens, des admirateurs. Franchement, merci du fond de mon cœur d'avoir pris le temps ce soir de venir voir notre film. Merci du fond de mon cœur d'avoir pris sur votre temps pour remplir cette salle du Grand Rex et pour rire avec nous ce soir. Voilà, c'est la dernière avant-première. Demain, le film appartiendra au public. C'est un film dans lequel j'ai mis toutes mes tripes, tout mon cœur, vraiment comme on le fait à chaque fois. Évidemment, c'est un travail de groupe. Tout ça aurait été impossible sans tous les gens que vous voyez derrière moi, plus de 200 autres personnes que je remercie du fond de mon cœur.
Les gens que j'aime sont évidemment là dans la salle, ils se reconnaîtront, je les remercie du fond du cœur. Et je vous remercie vraiment à vous, vraiment vous. C'est comme ça que j'aimerais terminer cette présentation qui aura duré beaucoup trop longtemps. J'aimerais vraiment vous remercier d'être là, d'avoir pris le temps de venir avec nous ce soir. Et si le film vous plaît, faites-vous ambassadeur, parlez-en. Longue vie à Maison de Retraite 2 et merci et passez une très bonne soirée.